satisfied with your situation? Est-ce que vous êtes satisfait avec la situation dans laquelle vous êtes? Is this where you should be? Ici où là vous êtes. You are not created for more. Vous avez été créé pour plus. Your destiny is better than this. Et votre destin est plus grand que ce que vous voyez aujourd'hui. And God will restore your destiny. Et Dieu va restaurer votre destin ce matin. Jesus got there. Jésus est arrivé là-bas. He saw people that were buying and selling. Il a vu les gens qui achetaient et qui vendaient. He became angry. Il s'est mis en colère. He said, "What is this? Il dit, qu'est-ce que c'est? You want to turn my father's house to the house of business? Vous voulez tourner la maison de mon père à une maison de business? And he brought out the curtain. Et il a sorti la berge. And he flogged them out of the. Et il les a chicotés, les a frappés. And he made a profound statement. Et il a fait une déclaration profonde. He said, "The house of my father." Il dit, la maison de mon père. It's not supposed to be the den of thieves. N'est pas supposé être la terre, la tanière de pauvres. It's supposed to be the house of prayer. Mais cela est supposé être la maison de prière. What is the revelation from that word? Quelle est la révélation derrière cette déclaration? The house of God is either the place where you are generating fire. La maison de Dieu est censée être le lieu où vous arrêtez de générer le feu de la prière. Will come in. Les voleurs vont être pour venir tuer, to steal, pour voler and to destroy. Et pour détruire. What is Christ saying to us? Qu'est-ce que le Christ nous dit? Our body, notre corps, our life and destiny, notre vie et notre destin, is the temple of God. C'est le temple de Dieu. And if we don't engage the forces of the Spirit on the altar of prayer, et si nous n'engageons pas les forces de l'esprit sur l'autel de la prière, devil will do business with our life. Le diable va faire des affaires avec devil nous. Will trade our destiny. Le diable va échanger notre destin. He will trade our glory and honor. Il va échanger notre gloire et notre honneur. You must not watch him. Alors vous ne devez pas observer le fait. If you keep quiet, si vous vous taisez, and you watch him, et vous l'observez, he will come to kill, to il viendra dans ta vie pour tuer, pour voler et égorger. In only anger this morning, avec une colère sainte ce matin, we declare to God, vous allez déclarer à Dieu, force, toute force, buying and selling around my destiny, vivant et achète autour de mon destin, every power, toute puissance, trading with my glory, qui échange avec ma gloire, God of vengeance, le Dieu de vengeance, arise on my behalf, lève-toi pour moi, and scatter them by fire, et détruis-les par le feu, open your mouth and say it to me, every power, toute force, buying.